Alors du coup, Kale, c'est comment? Mais tes masses sont lead, c'est même pas un lead de 100%! Attends, elle est Dokkan? Ah non, elle est pas Dokkan. Oh, ça commençait déjà. Ça avait pas commencé, ça commençait déjà. Pardon, pardon. Vas-y, pour me faire pardonner, je lui mets un filtre même. Ok, c'est bon, là, lead de 100%. Pardon, pardon. Non, en vrai, ça, en fait, son filtre, il est pas si dégueu parce que son aura autour d'elle, il fait bien... Il fait bien berserk. Ah, mais il y a une transfo aussi. Ouais, ouais, ouais. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. J'espère que vous allez giga maxi bien aujourd'hui. On se retrouve certainement pour le meilleur showcase de la chaîne de 2023. Après la meilleure session invocation, évidemment. On va tester... Kale, mode berserk, agilité, voilà. Je l'ai Dokkan, je lui ai mis un filtre, j'ai monté son ordre de compétences, je l'expédisse, et on va pouvoir démarrer la revue du personnage. Niveau stats, 13190 PV, 14548 d'attaque, 7845 au niveau de la def, aptitude leader, 170% de stats universis, transo fortifiante et 30% supplémentaire si survie de levier ou puissance max. Les effets de spé, ou plutôt l'effet de spé, parce qu'il n'y en a qu'un seul, c'est très RP. Augmente fortement l'attaque pendant un tour, dégâts immenses, et au niveau des aptitudes passives, attaque et def 160%, attaque et def 60% plus lors de l'aspect, grande chance d'attaque spéciale supplémentaire, donc 50%. À chaque fois qu'elle va spé, par contre, ça c'est très intéressant, taux de réduction des dégâts plus 20% jusqu'à un maximum de 60%, donc 20% de réduction sur la première, 40% à la deuxième, 60% à la troisième, s'il vient en avoir 3, ça serait quand même stylé pour bien tanker avec le perso. Si un autre personnage de la catégorie universiste, qui va être le cas dans cette vidéo, parmi les attaquants du tour, on aura attaque et def plus 160% bonus et aussi 70% de chance d'attaque supplémentaire. Donc il y a un monde où on peut caler une quadraspé si l'arbre de compétences y rentre en compte, parce que c'est une unité pardon, de type agilité et que les unités de type agilité ont pour appel de l'attaque supplémentaire nativement dans l'arbre, et pour ce qui est de son active skill, peut-être activé à partir du 4ème tour depuis le début du combat si un personnage dont le nom comprend qualifié dans l'équipe, ce qui va être le cas, ou si le perso a lancé 6 attaques spéciales ou plus lors du combat. Elle va se transformer, elle va passer en mode SSJ2. Les effets de spé, on augmente l'attaque et la défense pendant un tour et on a aussi 30% de chance de coup critique, assez sympathique. Et les nouvelles aptitudes passives pendant les 6 premiers tours dès le début du tour, 100% de défense. Après, attaque et def de 100% en plus, lors de l'aspé, 120% d'attaque en plus, 2 attaques sub de garantie, 30% de chance chacune que ça soit d'espé. Pareil que tout à l'heure, ça peut quadraspé du coup si on a de la chance encore une fois. Grande chance d'activer la garde contre toutes les attaques. Après avoir subi une attaque, attaque et def 60% en plus pendant 3 tours. Et si un autre personnage de la catégorie universiste parmi les alliés attaquants du tour, défense plus 160% supplémentaire et... garde d'activer contre toutes les attaques. Donc on oublie les 50% de chance d'avoir la garde, on va l'avoir tout le long. Sur papier, j'ai beau dire ce que je veux, j'aime pas le design, j'aime pas ça reste quand même une unité avec les passifs que je trouve intéressant. Il y a du potentiel. Maintenant, reste à voir in-game ce que ça vaut, mais un des plus gros défauts qu'on a pu remarquer avant même de commencer cette vidéo avec tout le monde, c'est pas le manque de catégorie, mais le manque d'alliés, en tout cas, ou de team viable, parce que là, au niveau du team building... Ah, c'est rigolo. La run vient d'être lancée dans la red zone face à celle, et c'est multiforme. Nous voici en double lead catégorie Kale Berserker, donc elle est en double lead de 100%. La première rotation va jouer... celle agit multiforme avec celle ZLR parce que ça fait longtemps que je les avais pas rejoués et j'avais envie d'une rotation un petit peu solide sur papier et originale. Du coup ça remplit les deux conditions, je trouve ça plutôt sympathique. Et pour la deuxième rotation du coup on va jouer Kale Berserk avec Kale et Cauliflatec. Bon Kale et Cauliflatec ça fait un très long moment que je les ai pas rejoués. Je vous avoue que je sais pas vraiment ce qu'elles valent alors que j'ai regardé leur passif avant de commencer le record, mais c'est un petit détail vraiment anodin. L'objectif c'est d'arriver le plus loin possible dans la run, réussir à la transformer, la mettre en avant, tout ça et voilà. Ensuite au niveau des flotteurs on aura le Piccolo Chadeler, on aura la Kale... Putain qu'est-ce qu'elle est moche ça se fait. Ouais c'est pas pour être méchant hein, mais... En fait c'est le début. En vrai non ça va hein. Non, en vrai, j'étais méchant, genre ça va, là. Il y a que ce plan, il est nul, mais... Non, en vrai, ça va.
Bah c'est Kayle quoi. Oh la triple SP, 60% de réduction de dégâts. Ah oui, l'ami leader il a 100% aussi. Donc c'est de la triche un peu. Mais c'est pas grave. On a 624 000 HP. Bon on est vraiment sur un showcase de Kayle mais... Il n'y a pas full team U6, il n'y a pas full team survie de l'univers, parce que si je commençais à rentrer dans des bails comme ça, ça aurait été, je pense, dans les quêtes qu'on leur ait fait le showcase en fait. Et puis après, le dernier flotteur que j'ai ramené, c'est le couleur puissance ZTUR, parce qu'en face d'un seul ennemi qui puisse doit attaquer def 50% pour tous les alliés de catégorie transo-fortifiante, Kayle Berserker appartenant à la catégorie bénéfice du boost. Je voulais dire bénéfice du doute parce que ça me sonnait trop bien dans ma tête, mais j'ai dit bénéfice du doute. Non, ben. Au niveau de la def, on est à 164 745. Elle booste pas la def sur l'aspect. Mais là, je me prends une spé. En vrai, je me fais exploser. Hein. Espérons que ça. Espérons que le showcase il dure plus de 2 tours du coup. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. En vrai, là, c'est la faute à pas de chance. En vrai, on va relancer parce que... Alors, on a relancé une run. Il s'est absolument rien passé. On va reprendre là où on en était. On est par contre dans un meilleur scénario parce qu'on a le support de couleur. Donc, au lieu d'avoir 164 000, je sais pas combien, on est à 184 000 de def. En vrai, je suis aigri. Elle récupère quand même... Sur le passif, 60% attaque et def lors de l'aspect. Après, des personnages slot injouables à côté d'elle en univers 6. Il y a Kayle et Caulifla LR qui vont recevoir Lost Dead LR dans pas longtemps. Il y a Kayle et Caulifla Tech, j'allais dire, mais maintenant j'ai des doutes. Il y a Caulifla Tech, par contre, qui est intéressante, mais si elle a l'esquive de garantie, donc en face de Saiyan Pure, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Oh. J'espère on passe le T1, là. En vrai, on rigole, mais c'est pas drôle. Hein. J'ai pas regardé les valeurs d'attaque. On a 30%. Ok, double SP qui prend. En vrai, par contre, valeur d'attaque, c'est chaud. Hein. Elle est à 6 millions, là. Sachant que, en vrai, je vais pas dire c'est garanti, mais on a très souvent des double SP, voire triple SP. Le perso, il peut monter à 18 millions. Tu lui mets juste un petit item de crit. Elle peut passer à 10% de chance de crit, sans doublon et tout. Ça va, en vrai. Hein. Quadra SP. Un gamma 2 en sueur là. Ça va. Franchement, 6 fois. Non. 4 fois 6 millions de valeur d'attaque, ça fait plus de 20 millions en un tour. Full lien 1 sans doublon. En vrai, c'est vénère. Hein. Oh putain, comment j'ai survécu, comment j'ai chaté. Et elle n'est pas encore transformée. Parce que quand elle sera transformée, on va pouvoir récupérer des bonus une fois qu'on sera parti en attaque spéciale avec elle. Des bonus de def, je dis bien. Oh, on a réussi à stun avec le Piccolo. OMG. Meilleur tour possible. Ouais, on était sur le meilleur tour possible avec elle. Dommage d'ailleurs que sa réduction de dégâts, elle se stack pas jusqu'à 80%. Parce que 80% de réduction d'attaque, avec 160k def, franchement, tu peux dire t'as tanké. Voilà, du coup, on est plutôt bien. On n'a pas besoin de se demander si on la laisse en slot 1 ou en slot 2. On a plutôt à se demander comment je vais régénérer toute cette barre d'HP. On est à 180 219 de défense. Ça va, ça va. Niveau synergie, du coup, je vous montre, on a du coup 6 liens qui proc. Mais le seul lien intéressant, malheureusement, en tout cas en full lien 1, c'est combat acharné, 15% attaque. Sinon, tout le reste, c'est des liens de ki. Donc, même ça, tu crois que t'as beaucoup de synergie avec le personnage, mais c'est fake un peu. Enfin bon. 5 millions de valeur d'attaque ici. Après, vu qu'elle augmente fortement l'attaque sur l'aspect, c'est ça qui fait qu'on arrive à monter bien comme il faut. Double SP. Non, ça va. Offensivement, je peux pas lui reprocher grand-chose, parce que même parmi les Dokkan Fest sortis en 2023, quand tu sais que tu peux triple SP, je sais pas combien de fois on va avoir ce scénario, mais si toute la game elle arrive minimum à double SP, ça veut dire que c'est minimum 10 millions à chaque fois. Hein. Et là, on est plus sur une moyenne de 20 millions qu'autre chose, parce qu'elle a encore quadra SP en fait. 6,8 millions la valeur d'attaque. En vrai, si il y a un personnage jouable avec elle, slot 1, un peu plus viable que Kayle et Caulifla Tech, du coup, Kayle Berserk, énervé. Hein. Le jour où elle a un ZTUR et qu'elle récupère de la def sur l'aspect ou autre, elle aura de la def plus la réduction de dégâts. Elle reviendra grave dans le game. Après, ouais, j'avoue, j'abuse un peu parce que là, je parle de ZLR, mais...
Ah non, je parle de ZTUR, le Dokkan Fest, il est sorti hier, mais... J'ai beau ne pas aimer une carte, quand je la joue, j'essaye quand même de la mettre le plus en valeur possible. Alors c'est comme ça. Il faut quand même être impartial pendant les showcases. Des fois c'est difficile, j'avoue, mais là on peut pas lui retirer certaines choses. À savoir que 60% de réduction de dégâts, c'est beaucoup. Bah sur 180 KDF, c'est pas énorme, ok. Que ses alliés, il y en a pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts d'une main et encore t'es pas obligé d'en avoir 5 des doigts. Et les valeurs d'attaque. Après cette game, tu vas la rejouer. Alors en vrai, je pense que si je transforme la mi-leader et que je fais une rotation Kayle Agi, peut-être ça passe bien aussi. Hein. Après, est-ce que j'ai encore un intérêt à laisser transformer ma Kayle? Non, il n'y a pas d'intérêt. On veut la rendre tanky à partir de maintenant. On a pu voir un petit peu ce qu'elle valait en non-transfo, et maintenant qu'elle est transfo ou qu'elle a la possibilité de, je pense qu'il faut en profiter. Hein. Niveau def, on est monté à 219 000. Waouh! Alors ça, monsieur, vraiment incroyable. Hein, 219 000, on récupère 30% sur l'aspect. Après, c'est vrai que pendant les 6 premiers tours, on a 100%. Ce bonus, on va le perdre. Je pense qu'on va jouer Kayle Berserk avec Kayle SSJ2. Et Kayle et Caulifletech, j'ai peur que sur le long terme, elle me détruise ma run. Et... Vu que la mi-leader, il est à 100%, je pense autant en profiter. Faut pas oublier un détail non plus assez stylé. C'est que maintenant, elle a la garde de garantie. Donc garde de garantie 200 KDF, là on a récupéré 60%, on a quasiment autant de valeur que quand on était non transfo. Ah ouais, on a 30% de chance de crit. Donc maintenant on peut crit avec le perso. On a double spé. Et on a proqué une auto à la fin. Non, en vrai, avec la garde activée là, on avait 200 KDF, donc du coup on fait x 1.6. On fera un calcul après. Ça va! Ok, les Caulifletech, par pitié, prenez pas l'aspect. Parce que je sais pas s'il va balancer à la fin, mais j'aimerais vraiment pas. J'ai combien là? Je dois pas être très loin des 400 KDF. Est-ce que c'est suffisant pour tanker une spé? S'il te plaît. Yes, ça va. Oh! Mais non. Oh là 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 là! Les millions de DL avant. Non, pas les millions de DL. Alors ça, monsieur, si ça, c'est pas magnifique! On a pris l'aspect au bon moment, au bon endroit, pour ce moment. Et ça, ça a pas de prix. Hein. Oh là 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 là. En plus, j'ai self en parfaite ici avec... Oh, oh le plateau. Oh. Ouais, je suis en train de faire un contre-showcase carrément du personnage là. À mon avis, ça va saigner en face. 268 cadets. On s'en fout. On sait qu'il récupère tellement de toute façon en partant en spé. Oh, ça va nous régaler. Faut avoir les valeurs d'attaque, on rigole un peu. Après, je sais pas s'il est en double lead 200% par contre. Voilà. Ça, c'est un perso, ça. Voilà. Ok, c'est le ZLR. Ok. Y'a pas le temps, là. Deuxième apparition, cette fois-ci, de Kayle en version transformée. On va la laisser slot 1, évidemment. Garde activée. On va pouvoir faire la petite étape de calcul. Même si là, ça va être... un petit peu plus boosté que d'habitude parce qu'on a quand même le support de couleur ici. Ah ouais. Ah ouais, 382 835. Partons du principe qu'il y a une double SP. Avec la garde activée, on arrive à 600 KDF. Et c'est très bien. Honnêtement, je m'attendais à rien de Kayle, parce que avant de dropper la carte, bah, je comptais pas la jouer de toute façon. Enfin, avant de la dropper, je comptais pas. Vous avez compris. Ça fait mal, hein, cette spé normalement. Et le fait qu'on ait pris que 170k, avec 7 millions de valeurs d'attaque en plus. Mais là, le boost de couleur, il est impressionnant. Hein. On rappelle ici, ça rigole 0. C'est 50% attaque et def pour les transos fortifiantes. Double spé, on est monté à 15 millions de valeurs d'attaque. 600k def garde activée. Bon, c'est fait debuff la def sur l'aspect de sel, c'est dommage, mais...
C'est propre, hein. Je vais pas m'excuser, mais... En vrai, je pense si un peu quand même. Pardon, Kale. Ok, je t'aime pas, mais là, ça force le respect un peu. Le jour où Univers 6 ou Survie de l'Univers, ça prend up. Ou même le jour où elle a un bon allié. Parce qu'en soi, en team, on peut jouer Transo Fortifiante ici. C'est bizarre au niveau du team building, mais ça tient la route. Oula. Oula. Tout ça. Non, mais on va régénérer les PV, là, c'est important. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Le kill ici, il est fait easy peasy, parce qu'on a pris l'aspect avant, donc on a aucune raison de la prendre sur l'auto-attaque. Dokkan Mode qui va nous remettre full life. Prochain tour, on va devoir claquer un réducteur de dégâts, à savoir Whis, c'est important. Et on est à 19 millions de valeur d'attaque avec mon sel LR. Si là, sel, il lâche un petit crit, je pense que le sel en face, il morfle un peu, hein. Et même sans crit, en vrai, ça fait mal. C'est pas 27 000, c'est pas 270 000, c'est pas 2 millions 7, c'est 27 millions sans crit. Et encore, ça c'est la valeur offensive, mais la valeur de def, c'est pas loin du million aussi. Hein. Alors là, on avait dit qu'on allait claquer un petit whiz, on a plus que 100k def, mais on s'est fait debuff le tour d'avant, attention, donc c'est normal. Après 100k def avec la garde activée, j'allais dire c'est ok, mais en vrai ça fait tiep. C'est même pas son choqué. 27 millions et c'est même pas sans showcase. Ah, on a récupéré le... Ah, je l'avais oublié, ça. C'est vrai, on s'est fait debuff la def et on avait plus le bonus. Parce qu'elle le garde pendant deux apparitions. Là, on a récupéré à nouveau 60% attaque et def en plus. Franchement, moi, si je devais noter la carte, je lui mets... 7 sur 10. Lui mettre 6, ça serait méchant. Avec sa transfo, avec son nombre de sp, avec ses valeurs d'attaque, sa valeur de def. Elle manque des points parce que c'est même pas sa faute en soi, hein, parce que la carte elle est bonne en vrai. Et je rappelle, perso sans doublon. Hein. 8 sur 10. Non, le point je l'aurais rajouté si j'aimais bien la carte. Bah, après on parle de K, il faut doser aussi. 7, 7,5. En vrai elle mérite quand même plus un 15 sur 20. Non mais en vrai elle a vraiment un kit sympa. Hein. 14 sur 20, c'est aigri, genre je mets pas ça à un personnage qui fait ça. Ça aurait pas été Kale, j'aurais dit peut-être 8 même, donc... Oh, la passion. Non, je suis con, il faut pas le tuer, moi. Non, kill. Mais non, si j'active skill, c'est pas le showcase de sel, là. Tu en as vu qui c'est... En vrai, un petit 10 millions, l'active skill, je peux le laisser. Je peux le laisser. Par contre, ici, il faut à tout prix que j'évite de faire le kill. Et là, c'est plus tendu, quoi. On va claquer le dernier whisky qui nous reste. On sait jamais, par précaution. Après, on va faire moins de dégâts. Là, on a pris que 6 sphères de ki avec le Selind. Donc ça devrait être correct là, voilà. Oh pitié, ne double SP pas. T'en supplie. Ne crit pas. C'est bon. Non mais reste celle MF derrière, il a 10 millions ce schlag. Non ça va en vrai. Ok c'est bon. Ça va. On s'en est bien sorti. En vrai, non, mais Cell ZLR, c'est quelque chose. Hein. Mais je crois que je vais le rejouer cette semaine. Hein. On l'a trop vite oublié, lui. Hein. Non, mais regardez. Sans Kale, j'aurais pas rejoué Cell. Donc, si on a pu voir Cell autant briller, je pense que c'est aussi grâce à Kale en soi. Hein. Disons les termes. On est remonté à 288k def. On a récupéré le bonus. Ça doit être ça. C'est pas ça doit être ça, c'est ça. SPT1. Mais même si ça SPT1, j'ai l'avantage type. J'allais dire j'ai la garde, mais ça revient au même. Et j'ai le whiz du tour d'avant. Ah. Bah en parlant de ça, c'est le moment pour Kale de briller une nouvelle fois et de nous montrer les biceps, triceps, quadruplex. On a même pas pris 100k sur l'aspect. Hein. Et on va avoir quasi 6 millions. Si ça double SP, il y a 6 millions de valeur d'attaque.
Et boum. Bah, y a pas de double SP. C'est très dommage. Elle aurait pu caler triple SP si elle voulait. Et voilà. Comment finir en beauté le showcase? Franchement, je suis obligé d'admettre que la session invocation, elle s'est merveilleusement bien passée. Et même son showcase, à part au début, tout le reste, c'était propre. Kayle, 7,5, mais elle mérite 8 en vrai sur 10. Très bonne carte ce sel, merci pour le showcase. Ouais, le showcase de sel, c'était pour moi, c'est gratuit les gars.